Le compost, c'est un élément nutritif, c'est un fertilisant pour le sol. Un sol qui est fertilisé chimiquement, il va devenir accro à la chimie. Donc, on est toujours dans l'embarras, on est toujours sous la dépendance de ces produits à l'infini. L'avantage du compost, c'est qu'il est prêt, c'est-à-dire on le met n'importe quel moment de l'année et on peut planter dessus rapidement, sans attendre qu'il soit décomposé. Donc l'avantage du compost, c'est valoriser les déchets qu'on a dans la ferme, avoir un temps d'exécution rapide, une rapidité d'exécution, éviter la contrainte du temps entre l'épandage et la plantation et avoir un élément nutritif équilibré. Donc le compost, il est composé essentiellement de matière carbonée et de matière azotée. Donc l'azote, on le trouve dans tout ce qui est vert. Le carbone, on le trouve dans tout ce qui est sec. Par exemple, la paille, lorsqu'elle est jaune, c'est de la matière carbonée. Donc on peut mettre 30 brouettes de paille et une brouette d'herbe, de gazon par exemple, de tente de gazon verte. Là, on a un bon composé azoté. Le carbone est 30 fois plus que l'azote. Cette combinaison-là, elle doit être toujours humide. Un compost ne devrait pas être dans un endroit clos, sans oxygène. C'est pour cela qu'on le retourne. Le fait de le retourner, c'est s'assurer toujours que l'oxygène y pénètre à l'intérieur. L'humidité, l'oxygène, l'azote et le carbone, ils vont aider les microbes aérobiques à se multiplier et à dévorer les éléments de ce mélange de déchets. Et là, on va obtenir un élément nutritif, fertilisant, qui est, lorsqu'on fait une analyse, il va être composé de azote, phosphate et calcium. Lorsqu'on va le mettre au sol, on va aussi intervenir sur la structure du sol. La structure, parfois, elle est argileuse, donc elle est compacte. Donc le compost, il va jouer le rôle d'élément qui va casser cette compacité. Il va la casser, il va permettre de nous offrir un sol qui est aéré, qui est toujours décomposé. Un sol aéré et décomposé, c'est un sol propice à la croissance des racines. Le compost est un bon élément, est un bon partenaire dans le travail du sol.